Bonjour à tous, ici NT00 pour une vidéo de Minecraft avec un tout nouveau matériel, un tout nouveau logiciel qui s'appelle iShowYouHD. On va voir s'il marche bien. C'est une version d'essai qui déterminera si j'achète ou non le logiciel. Donc on va regarder un petit peu, CoNT. Rien n'a bougé depuis la dernière fois, hein, faut pas croire. J'ai une vie à part Minecraft. Bon, mon chien il est toujours là. J'appelle chien parce que quand il est assis comme ça, on dirait un chien. Faut le dire. Hein. Les loup, moyen quoi. Non, vous trouvez pas? Bon. Alors, allez, viens le chien. Bah là. Oi! Oi! Il m'attaque le salaud. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est assis et il me saute dessus. C'est complètement débile, avouez-le. Bon. Il s'est passé quelque chose là, j'ai pas compris. Il veut plus se lever. C'est même pas ça, c'est que mon clic droit ne marche plus. Il marche, mais pas sur lui. En fait, tu vas mourir alors. Non, tu vas décorer, tu vas attendre ici. Voilà, t'as gagné. Voilà, il fait son... Il fait son grognon, il veut rester assis, il reste assis, hein, moi je m'en fous. Hein. Alors, hop, j'ai failli mourir par un... tué par un creeper là. Tiens, mange, voilà. Bon, là on récolte les cannes à sucre. Hein. De toute façon, j'ai rien de particulier à vous montrer dans cette vidéo. C'est dans le seul et unique but d'essayer le logiciel. Voir si je le préfère à QuickTime. Hop. Je vais monter le son aussi pour voir la différence. J'entends rien, pourquoi j'entends rien? C'est pas très fort. Bon, voilà, nous avons coupé la canne à sucre, nous sommes très contents. Je vais tuer un porc maintenant. Voilà, bon, c'était une petite excursion agricole. Alors, non, ça marche toujours pas. Hein. Bon, bah tant pis. Bouge ton passage, toi. Les petits bruits. Bon. Voilà. À vous les studios. Oui, je viens d'aller voir la vidéo que je viens de tourner là. C'est quand même bien mieux qu'avec QuickTime Player. Parce que, non seulement là, c'est plus fluide, tout simplement. Sur QuickTime Player, c'était
moins fluide, plus saccadé. En plus du lag du jeu, j'avais le lag de la vidéo, donc c'était pas possible. Et un grand, grand, grand bon point, c'est que j'ai le son qui va avec la vidéo. Parce que sur Google Play Player, il fallait enregistrer le son et la vidéo séparément, ensuite coller le tout, synchroniser, c'était l'horreur. L'horreur. Du coup, je suis bien content d'avoir ce logiciel-là. Même si c'est une version d'essai et que la version est chère, je vais essayer de la trouver, disons, 60$ moins cher que son prix normal, c'est-à-dire 60$. Je vais voir ce que je peux faire. Et puis sinon, oui, avant que j'enregistre là, le loup venait d'aboyer. Je ne suis pas sûr que les loups aboient souvent. En tout cas, pas comme cet animal l'a fait. Et le clic droit ne marche toujours pas. Donc tant pis, tu resteras ici pour décoration. Voilà, ils aboient. Vous avez entendu, ils aboient. Bon. À plus, à une prochaine vidéo. Bye bye.